Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, c'est un déballage un peu spécial. Je suis pas à ma place habituelle parce que j'ai un jeu qui est installé qui prend toute la place. Et je filme aussi avec ma petite GoPro qui est installée sur le dessus de ma tête. Je vais faire ça rapidement. Ben, c'est un jeu qui m'inspire beaucoup. C'est un jeu, j'ai l'extension, vous voyez, ok? On va déballer après, si vous voulez bien. On va la tasser. Donc, ici, c'est La mort aux trousses, un jeu uniquement solo. La campagne fournit aussi. Un jeu de Renegade Game pour la version anglais. Et Honey Game pour la version française. Donc, c'est un jeu de, je vais faire ça rapido presto, un jeu de 14 ans et pour 14 ans et plus, un joueur, comme j'ai mentionné, et pour des parties d'environ 30 à 40 minutes. Un jeu style Mad Max, où on a à piloter une voiture, et on aura à l'équiper d'armes, parce qu'on va se faire attaquer par des ennemis, et ça sera le but du jeu, 3 manches, qu'on devra résister à l'attaque des ennemis, et à la fin de la 3e manche, on aura, dans la 3e manche, on aura un boss à affronter. Alors, ouvrons ça, et j'espère que c'est bien éclairé, que je n'ai pas à attendre que ma table soit libre, donc j'avais hâte de pouvoir l'ouvrir, la boire, puis est-ce que je le filme ou pas. Je vais essayer avec ça, qu'on va voir ce que ça va donner. Peut-être que vous ne verrez jamais ce déballage, peut-être que je vais décider de ne pas le publier après avoir vu le résultat. Si vous le voyez, mais tant mieux, c'était que c'était pas super. Donc si on a le livre de règles, c'est un jeu quand même relativement simple, qui est pas très compliqué, quand même du matériel pas pire dans ce jeu. Il y a le mode campagne quand c'est mentionné, ça aussi c'est bien. Il y a une espèce de scénario qu'on peut lire aussi au début. Donc c'est pas un très grand livre de règles. Là. Il y a quand même beaucoup de petits points à vérifier. Vous voyez, il y a une trentaine de pages avec l'explication, le guide de référence en arrière, comme ça, c'est bien fait. Donc, on met ça de côté. Ici, c'est le journal où on a sept missions, 7 scénarios. Dans cette boîte de base, puis il y en a 3 autres dans l'extension, donc ça va nous en faire quand même 10. Chapitres, c'est des chapitres. On a 7 chapitres dans ce jeu, dans cette boîte de base. Chapitre 1, la mort aux trousses. On a un petit texte à lire, un petit scénario, une petite introduction à cette mission. Ensuite, la mise en place pour la mission. Si on a perdu, si on a gagné, qu'est-ce qui arrive? Et ça, ici, on va devoir suivre ici. On va avoir un pion. Deux, 3 manches. Puis, dans chacune des manches, on a 2 étapes à faire. Et on aura aussi, dépendamment, avec les dés rouges, on va avoir des choses, des malus ici, qui rendent notre partie. Et c'est comme ça pour chapitre 2, voyez-vous, il y a le petit texte, ensuite la mission, et c'est comme ça tout le long, donc je vous en montrerai pas trop, je veux pas trop en voir non plus, c'est une surprise. Nos véhicules, il y a 4 planches de véhicules, et ça vient déjà équipé avec des handles le moteur, qui a 9 points de 9 dégâts, ben pas 9 dégâts, c'est-à-dire, mais il peut y avoir jusqu'à 9 dégâts
Jusqu'au cadavre de gars, puis le water partie est terminée. Puis on a déjà des arbres qui sont en place. Donc, trois voitures comme ça, on peut, tu vois, les cartes, on peut rajouter des cartes ici pour de mettre d'autres arbres. Donc, ici, ici c'était le bolide. Ici, c'est le tonnerre du désert. Le chariot d'Hadès. Et le rhino féroce. Mais c'est pas tout. Non, non, non. Ah, on m'avait dit, ah, c'était marqué recto verso. Ah, OK. Non. Donc, c'est juste une donc, quatre véhicules. Ensuite. OK, en arrière du livre, le livre de règles qu'on avait su, donc, ils l'ont imprimé. Ici, guide des symboles. Ah, c'est bien ça. Parfait. C'est marqué ici en arrière, les chapitres, ouais. Chapitre 1. Le chapitre 1, je peux déjà vous le marquer, vous le montrer. Je ne vais pas divulgâcher les autres. Pour chacun des chapitres, on a de nouvelles cartes. OK. On va regarder tout de suite. Ceux-là. Dans ce chapitre, on a le boss affronté, le Kranosaur, avec 24 points de vie. Ensuite, on a d'autres ennemis, deux autres ennemis, et une carte d'amélioration pour notre bolide. Donc, pour chacun des chapitres, on va avoir des petites cartes comme ça, un boss, des ennemis et des cartes pour notre bolide. Donc, ça, pour chacun des chapitres, il va y avoir des petites nouveautés. Alors, ça, c'est bien. Donc, les chapitres. Qu'est-ce qu'on a? Des cartes, c'est sûr. On a ça ici. Ça, je ne le déballerai pas. C'est les... C'est quand même bizarre. C'est les dégâts qu'on va infliger soit à nos moteurs, à nos armes, et sur les ennemis. OK? Qui valent un point chaque. Donc, un cristaux vaut un dégât. Et ceux-là, c'est des 5 dégâts. Il y en a 5 cristaux. Un petit peu plus gros, rouge, ben ils valent 5. On a des dés que j'aime pas trop parce qu'ils sont carrés. Très possible que je change ça pour mettre des dés peut-être même un peu plus gros. Ben, peut-être pas plus gros parce que les cartes, faut que ça rentre sur les cartes, hein. Vous allez voir, là, les cartes, là, ben, c'est très petit puis très carré. On va voir ça. Et on a le jeton pour vous les montrer. Les scénarios, les chapitres. C'est pour avancer sur l'échelle des manches. OK? Donc, on a ça. Il me reste à montrer les cartes. OK. Allez, allez. Donc, je vais séparer ça. Ça, c'est des améliorations. Les ennemis. Ça, c'est lorsque notre... soit une arme ou... est détruite, c'est notre bolide. OK. On va devoir... parce que lui, il a 4, il peut avoir 4 dégâts. Quatrième dégât, l'arme est détruite. Puis on met ça ici par-dessus pour dire que ça a été détruit. Lorsque la manche est terminée, il y a une phase d'amélioration de notre bolide. On peut réparer ça ici en mettant 2 dés pareils. Ça, c'est une autre histoire, là, comment gérer les dés durant la phase
amélioration. Ici, on a des améliorations pour permanent, beaucoup plus fortes à débloquer, mais qui coûtent quand même assez cher à débloquer. Mais pour chacun des modèles, parce que si on regarde le chariot d'Hadès, qui en a 3, le Rhinospéros, qui en a 3, le tonnerre du désert, qui en a 3 aussi, et le bolide, qui en a 3 aussi. Donc ça, pour chacun des véhicules, on a 3 cartes ici, où on peut améliorer les ceux qui sont déjà en place. OK, qui sont plus forts que ceux qui sont marqués ici. Voilà pour ça. On a, bien sûr, des conducteurs. On a Miller avec une habilité. On a Pyro qui possède son habilité. Sniper ou Skipper. C'est Skipper. Et on a Charity. Charity, je crois qu'il jouait qu'il y avait Charity dans Mad Max aussi. Là. Donc, voilà. Pour les personnages, les ennemis, eux aussi, à chaque début de manche, on doit placer un dé rouge. On a le choix, ok, selon le dé. Et il va lui faire comme si 3 dégâts. Il y a 3 points de vie et un de blindage. Donc, faut passer son blindage avant de pouvoir y faire des dégâts. Puis là, il y en a une panoplie. Il y en a aussi que j'ai vu, c'est pas ici, non. C'est, il y en avait des écritures, faisait apparaître d'autres vaisseaux, peut-être dans d'autres chapitres que j'ai pas vu. OK, donc ça, c'est des ennemis. Ensuite, les améliorations. OK, donc tout ça, on peut acheter ça avec les dés dans la phase d'amélioration. Je sais pas si c'est pas phase d'amélioration, je sais plus du terme, là, mais... mettons comme ici, ça prend 2 dés pareils pour acheter cette carte. Il y a différentes méthodes comment acheter des cartes. Donc, c'est toutes des armes qui, ici, c'est pour réparer. Okay. Si je mets un dé, 5 ou plus, si je mets un 6, je peux réparer enlever 2 dégâts, n'importe quelle des armes. Si je mets un 5, qui appelle un tir parfait, ben, je peux aussi exécuter ça ici, qui est un autre 2, réparation de 2 dégâts. Donc, si je mets un 5, je me répare de 4 dégâts au total. Et c'est comme ça pour, toutes les cartes. Ici, mettons, c'est la même chose ici. Si je mets un 5, je fais un dégât à tous les vaisseaux, dépendamment, comme ici, il y a du barbelé ici, donc cette arme devrait être placée sur le côté, comme ceci, parce que on peut faire du ce qu'on appelle percuter. Donc, je peux mettre un dé ici, puis faire une percussion sur le côté, et le nombre de dommages que je vais faire, c'est le nombre de cartes que je vais avoir avec du blindage du côté comme ça. Donc, comme ici, ce serait 2 dégâts. Donc, si ici, je fais 1 dégât, si j'ai 3 ennemis ici, bien, il va faire 1 dégât à tous les ennemis. Et si j'ai mis un strike parfait, qui, comme j'ai dit tantôt, ce serait un tir parfait, bien, ce serait un autre dégât à tous les véhicules. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, beaucoup de cartes. Ils ont l'air avec pas mal tous différentes.
beaucoup du barbelé. Ben, moi, j'appelle ça du barbelé, là. Comme ici, ça serait idéal pour mettre dans un coin du véhicule ici, comme ça. Parce que j'ai du blindage, du barbelé ici en avant, puis sur le côté ici. Donc, c'est comme ça qu'il faut bien gérer nos armes, où les placer, tout ça. Donc, j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Donc, on va aller, je vais aller serrer ça et déballer l'extension. Je reviens. Bon, on y va pour la suite. La moto statique. Oui, parce qu'il va y avoir de nouveaux ennemis avec, ils vont nous faire du dommage tactique. Et qu'est-ce que ça va faire de plus que des dommages, en plus du dommage ordinaire qui va faire un point de dégâts? Ben, ça va être, je vais vous montrer. On va voir. Ah, c'est une pointe qui se trouve, comme ceci. J'aime moins ça, des boîtes comme ça. Ça veut dire que je vais me débarrasser de cette boîte-là. Tout devrait rentrer dans la boîte principale. Bon, qu'est-ce que ça rajoute dans cette boîte? Bon, déjà, petit pamphlet de règles qui se rajoute. Doit pas avoir un grand changement comparé au jeu de base. Alors, ici. Ah, ici, il faut retirer, ils disent retirer 24 cartes du jeu de base. OK. Puis d'ajouter 9 cartes de l'extension tactique. OK. Ah oui, il y a deux nouveaux symboles tactiques et ici, ils appellent ça des missiles. Des missiles téléguidés. Donc, on pourra frapper n'importe où autour de notre véhicule. Ah, c'est bien ça. Donc, ça. Trois nouveaux chapitres. Chapitre 8. 9 et 10. Donc, il y a pas mal de cartes que je vois dans chacun de ces chapitres-là. Les fameux cristaux toxiques, très jolis, hein. J'ai pas ouvert tantôt, mais ouais, c'est assez joli. Je sais pas si vous vous souvenez, tantôt, j'ai dit que lorsqu'on fait des tirs avec nos armes, on peut faire des dégâts. Ici, on fait un tir parfait. Okay, tantôt, comme tu sais ici, là, je vous expliquais tantôt. Puis, si je mets un 5, ben je peux faire ici, on peut lancer un missile. Et si faire celui-là, parce que j'ai mis un 5, donc un tir parfait. Si ça serait plus de 2 missiles, OK? Si cette arme a été endommagée avec un dégât toxique, même si je mets un 5, le tir parfait, il n'y a plus de tir parfait. Je n'ai que cette attaque-là en haut ici, et elle devient désuète. Elle ne peut pas être survie tant que le dégât toxique est dessus. Quand je sais la différence. Donc, de nouvelles armes, de nouveaux symboles. De nouveaux conducteurs. Avec toujours des habilités. On a un bob, un air d'acier. On a Epoxy. Ah, seulement deux. OK. Deux conducteurs. Et encore pour les véhicules,
qu'on va voir les véhicules après. On va voir Armageddon, trois cartes, et on va voir la caisse de Baron. Caisse de Baron. Bon. Là aussi, c'est des armes qu'on peut améliorer directement sur le véhicule qui sont déjà là. Ensuite, des ennemis. Là aussi, avec les dégâts tactiques. Bien sûr. Qu'on a arrêté. Non, c'est... Le modèle de véhicule est le même, c'est le dé qui change. Qui change et les dégâts qu'on a arrêté. Non, il y a des trois dégâts ici. Donc, un autre véhicule. Il n'y a pas le dégât tactique, lui. OK. Le livre pour les scénarios, les chapitres, toujours avec un petit mode de narratif. Ici. Et le scénario, le chapitre 8. Ouais, le masque de fer. Voilà. Et les deux nouveaux véhicules qu'on a, Armageddon et la caisse, j'ai dit Baron, c'est Darum. La caisse de Darum. Voilà. C'est pour ça que à chaque fois que je montrais des améliorations, c'est que chaque véhicule a déjà trois armes en place qu'on peut augmenter sa puissance en les achetant. Voilà. Donc, c'était la mort aux trousses. J'ai très hâte d'essayer, uniquement solo. Alors, je vous en donnerai des nouvelles. Donc, merci d'avoir été là. J'espère que la vidéo s'est bien passée. Alors, merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.